Et salut, on se retrouve là pour un petit let's play, parce que c'est un jeu qui me tentait. C'est Half-Life 2. Parce que c'est un jeu que j'adore. J'ai beaucoup joué. Et je me disais, ce serait sympa de record, donc moi j'aime bien record les trucs, donc enfin record. Alors... On va commencer là, je vais me mute. En attendant... Enfin, la cinématique de l'intro parce qu'elle est trop bien. Il faut que ça charge d'abord, mais. Ça, c'est un autre problème. Un autre problème. Et voilà, je mute. Réveillez-vous, monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors debout, monsieur Freeman. Debout. Sentez-vous l'odeur des cendres? Ah, c'est quand même si basique que je monte, parce que... Ah, l'objet de l'école. Je vous ai pas vu monter. Mais ferme ta gueule, quoi. J'entends de parler. Bref, le gym est un passage que j'aime beaucoup, donc moi ça me semble plutôt bien. Je sais pas s'il y a des problèmes de sourcils, je vais peut-être régler ça, mais c'est pas grave. Je pense pas que ça va être handicapant. Mais bon. Allez. Terminus. Terminus. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes le candidat à une mutation dans l'un de nos derniers centres urbains de qualité. J'aimais ah putain de sa mère, c'est tout blanc. J'ai décidé d'y établir mon administration. Dans la citadelle, si gentiment fournie par nos biens. Si gentiment fournie. Premier avertissement, dégagez. C'est tout ce qui me reste. Chez moi, à circuler. Très bien, je vous. Putain, la violence policière. J'ai décidé de vous installer ici. 2020. De passage. Bienvenue oh, bien. À Cité 17. C'est devant. Vous étiez seul dans ce train? Non, il y en avait deux autres du couillon. Ok. La milice a arrêté le train dans les bois et a pris mon mari pour l'interroger. Ils ont dit qu'il serait dans le train suivant. Mais je sais plus quand c'était. Ils ont été sympas. Ils m'ont laissé l'attendre. Ils sont super sympas quand même. Moi j'adore. Oui, cadette. Bienvenue. Oui, ferme ta gueule. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes candidat à une mutation Pété. Dans l'un de nos derniers centres urbains de qualité. Ça aussi. Mais finalement, il y a beaucoup de choses pétées quand même. J'ai décidé d'y établir l'administration. Dans la citadelle, si gentiment fournie par nos bienfaits. D'où je veux. Je suis trop bien parlé anglais. C'est des petites pasta box, mais c'est. Des Buvez pas cette eau. Il y a un truc dedans. Vous oubliez tout. Je sais même plus comment je suis arrivé ici. Bah écoute, moi non plus. Hein. Pas très solide. Le docteur Brill encore? J'espérais ne plus le revoir après Cité 14. Mieux vaut pas parler trop fort. C'est son centre d'opération. Putain, c'est des rebelles. Il nous regarde. On les voit pas partir et ils sont toujours pleins. On voit personne monter, mais ils partent tout le temps, mais ils arrivent pas. Bienvenue. Putain, les plages, mais ta gueule. Bienvenue à Cité 17. Vous ils ont pris la valise aussi. Ils peuvent plus s'en tirer comme ça. Ils ont pris ma valise. De qualité.
J'aimais tellement si... Je dois trouver le courage de continuer. Ok, bah, trouve le courage. Il y a eu les... Rien. Laissez le courage. Si gentiment fournie par nos biens. Bah, c'est peut-être pas forcément ennemi pour la vie, mais c'est du coup. Ça fortifie les autres. Alors... Oui. D'accord, je peux passer. Allez. Bon coup. Sprint. Je sais plus. J'arrive. Comment sprint? Sprinter, contrôle. Ah d'accord, je vais pas pouvoir... D'accord. Ça doit être une erreur. J'ai un bon de relocalisation comme tout le monde. Je cherche les ennuis. Non, ça va, je... Je cherche les toilettes. D'accord, je rentre. Je prends le seau. Besoin d'aide pour celui-là? Non, ça va. Bon, ça va. Pépère. À propos de cette bière que je vous dois. C'est moi, Gordon. Barney, de Black Mesa. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Ouais. Je suis un agent infiltré dans la protection civile. Je ne peux pas rester longtemps, ça va faire louche. Et puis, mon quota de tabassage est au plus bas. Quota de tabassage. Oui, Barney, qu'y a-t-il ? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Pardon, Doc, mais regardez qui voilà. Bon Dieu ! Gordon Freeman ! Bon Dieu ! Je ne m'attendais pas à ça ! Et vous et moi, Doc. Il allait prendre l'express pour Nova Prospect. Mais, Barney, que comptez-vous faire ? Je réfléchis, je réfléchis ! Alix est quelque part, par là. Elle saurait certainement comment le faire venir ici. Bah, tant qu'il ne s'approche pas des postes de contrôle, ça ira. Oui. Écoutez, je dois y aller, Doc. Bien. On prend déjà assez de risques. Très bien. Tranquille. Et Gordon, content de vous voir. Ah bah aussi, hein. Gordon, débrouillez-vous pour rejoindre le labo du Dr Kleiner. Ok. Bon sang, c'est ce que je craignais. Par ici, Gordon, ou je serai à découvert. Ok. Bon, je vais... Empilez des trucs pour passer par la vitre. Après, courez jusqu'à la place. Je vous rejoins plus tard. D'accord. Allez, on va empiler des trucs. Putain. Hop. Hop là. Aïe aïe aïe. Mais quoi, c'est de la bière, putain, c'est de la bière. En bouteille de verre. Oula. On va prendre un parpaing. Bon, on va pas prendre un parpaing. Mais putain, mais ça... J'adore ce jeu, mais je connais pas. Enfin, les temps de chargement, ça dure aussi longtemps. Chargement. Ça dure très longtemps. Ah, c'est bon. Regardez, bon, on s'en branle par pas en pire. Ramasse cette boîte. Non. Hop là. Non, on passe au-dessus. Aïe 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 aïe. Non, tu mourras pas, tu mourras pas, tu mourras pas, tu mourras pas. Tu mourras pas, tu mourras pas, tu mourras pas. Tu mourras pas, tu mourras pas, tu mourras pas. Cependant, je décède également. Vas-y, tu me fumes. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, allez. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, oui, bah, putain, mais quel enfer. Permettez-moi de répondre aux inquiétudes que sont en base. Oui, oui, oui. Plutôt que de répondre à toutes les questions que vous auriez pu poser. Faut vraiment avoir faim pour faire la queue pour cette merde. D'accord, c'est pour ça que c'est... Le fait, ah, d'accord. L'immortalité est, pour la première fois, on va dire aussi, à portée de main. Putain, mais on dirait des sirops de médicaments, c'est enfin, des bouteilles de sirop. C'est terrible. Ah, ça, par contre, ça, c'est une bouteille de coca, ça. Une belle bouteille de coca. Enfin, on dirait plus de l'original. On va dire celui du coca. Oh, la bouteille de coca de porc! Pas ce détail. Dans des moments tels que ceux que nous vivons, je pense qu'il c'est quand même beau. Se rappeler que notre véritable ennemi est l'instinct.
L'instinct nous a bercés à l'enfance. Oui. L'instinct nous a choyés. C'est quand même beau en vrai, même si c'est du souffle, c'est que c'est pas, les textures sont pas assez détaillées, je trouve. Et il nous animait quand même bien vieilli. Moi j'aime. J'adore ce jeu. Mon jeu préféré. Il est trop cool parce qu'en vrai, c'est vraiment mon jeu préféré. C'est un Strider. Terrible. Bon. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Aïe! Bon bah au revoir, hein. Il est trop méchant. Moi je vous aime pas. Vous dites quoi? C'est toujours pareil. D'abord l'immeuble, et puis tout le quartier. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? Ah, ils en trouveront une. Une, deux. Je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est bon, dégage. Je me prends en photo, tu t'es dans le vous. Alors la petite balançoire. Merde. Oula. J'ai mes balances. Merde. C'est on a vraiment l'air con. Putain mais j'arrive pas à me mettre dessus. C'est terrible. Je me balance. Mais putain. Oui, je me balance, et nous nous balançons, c'est un plaisir immense, quand on danse et on a vraiment l'air bon. Bon, 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 petit tour en balançoire, c'est un peu nul, comme c'est une balançoire un peu nulle. Ouais, sensation forte. Bref, Oui, est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter. Putain, mais... Je peux entrer. Classification, je peux entrer. On dégage de la tour. C'est chiant. En plus, tu fais laguer mon jeu. Enfin, ça aussi, ça fait laguer mon jeu, mais c'est pas la même. C'est pour charger la map. Toi, c'est juste pour prendre une photo. Enfin, c'est pas... ça fait pas laguer mon jeu, les photos. Ça fait juste chier, quoi. C'est un bruit parasite. Y'a quoi, hein? Rien. Mais c'est bon, on a compris que t'as reçu des lettres. Continuez. D'accord, je continue. FBI. C'est lui qui avait frappé. Oh purée. Je savais même plus qu'il y avait une porte. Putain, il est complètement torché. Allez, au revoir. Ah, j'ai cru que vous étiez flic. Il est avec nous. Moi, je suis flic, ouais. C'est mon métier. Flic. D'accord, on circule. Je n'en peux plus. Tout va s'arranger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une idée. Ouais, en France. On n'en voit pas la fin. Ouais, mais en France, on n'a pas de moyens, mais on a des idées. Pitié. Oui. Putain, mais... Avis aux résidents. Erreur comptage dans votre globe. Ouais, j'arrive. Coopérez avec votre unité PC pour sur une le toit. Complète pas de temps à perdre. Je t'arrache ta télé. Avis, je suis trop violent. Tout refus de coopération entraîne une oh mon dieu, il y a du monde. Vite. Sur le toit. Entrez là, vite. Allez-y, foncez sur le toit. Plus vite. Plus vite. Je vais lâcher. C'est terrible quand même. C'est une période sombre. Et ça, c'est un jeu qui charge. Alors, sur le toit. Ah non, il a été tué. Pas toi, Zinedine. Pas toi. Aïe 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 aïe. C'est mal ça. Vite. Ça va, ils savent autant tirer que des Stormtroopers, mais... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aï
toi? Oui. Par ici! Attention. Ha! Pas si sûr! Pas si sûr. Oui, allô? C'est tout blanc? Je vois rien là. Docteur Freeman, je suppose. Sûrement, oui. Hello, Alix. Il faut se dépêcher. Le cartel est un peu lent au réveil, mais ensuite, mieux vaut ne pas croiser son chemin. Incroyable. Le docteur Kleiner a dit que vous viendriez par ici. Ah, j'ai joué plein de fois, mais tout là, c'est... Mais là, il n'a pas pensé que vous n'auriez pas de carte. Le cartel vient de l'heure, c'est fun. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Alix Vance. Mon père a travaillé avec vous à Black Mesa. C'est cool. Vous ne vous rappelez sûrement pas de moi, je pense. Oui. Vous n'êtes pas très causant, hein? On me le dit souvent. J'ai peu la vous conversation. Vous êtes à Black Mesa, votre ancien administrateur. Ne lancez pas le sujet du docteur Breen avec mon père. D'accord. C'est pas le sujet. Par ici. Oh, c'est ingénieux. T'as fait... C'est bon, t'es pas obligé de faire du... Walk. Je me dirais... Feu, nickel, Jackson. Étrange, vous réapparaissez justement aujourd'hui. Étrange. Pourquoi justement? Explique-moi. Je me disque. Nous avons aidé les habitants à fuir la ville à pied. C'est risqué d'aller au labo de mon père, par les vieux canaux. Les vieux canaux. Nous sommes enfin sur le point de trouver une nouvelle voie. D'accord. T'as ce mouvement. Allez, je vous offre un verre. En fait, non, tu peux pas m'offrir un verre parce que c'est une machine à canettes, en fait. Oh, et au fait, ravi de vous rencontrer enfin. Bah, moi aussi. Enchanté. Satané bestiole! Où est-il passé? La mare! Sors de là! Oh, tout va bien, Docteur Kleiner? Oh, bonjour, Alix. Ça va presque bien. La mare s'est encore enfuie de sa caisse. Si je m'écoutais, je soupçonnerais Barney d'avoir... Bon sang, Gordon Freeman, c'est vraiment vous, n'est-ce pas? Il était en train de traîner dehors. Un fauteur de troubles, non? Nous devons beaucoup au Docteur Freeman, même si les ennuis le suivent comme son ombre. Gordon, je dois dire que vous arrivez à point nommé. Super Alix vient d'installer le dernier composant de notre téléporteur. Tout le mérite de ce progrès ne me revient pas, docteur. Allons, vos talents surpassent votre chat. Voyons si ce truc marche, ok? Il est ici? Coucou. Ah, vous voilà. Gordon, vous avez réveillé la ruche. La ruche. Il ne peut pas rester ici, Doc. Ça mettrait tout votre travail en danger. Vous en faites pas, viens avec moi. Exact, Barney. C'est un jour mémorable. Nous inaugurons le nouveau téléporteur en faisant une double transmission. Alors ça marche? Pour de bon? Parce que je rêve toujours de ce chat. Allons, allons, allons. Pas de quoi s'inquiéter. Quel chat? On a beaucoup progressé depuis. Beaucoup progressé. Quel chat? Puisqu'il ne sort pas, il peut quitter ses habits civils. Quel chat? Ah bon ça. Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier. Petit chat. Barney, à vous l'honneur. Bah, je dois retourner à mon poste. Mais d'accord. Et voilà. Coucou. Ah, bon sang, enlevez-moi ce truc. La mort. Que voilà. Vous avez encore cette saloperie? Certainement pas. Mais saloperie. N'ayez crainte, Gordon. Sans son bec, il est inoffensif. Au pire, il risque de s'accoupler à votre tête. En vain, bien sûr. Éloignez cette bestiole de moi. Viens, mon petit. Grimpe. Non, pas là-dessus. Non, non. Non, non. Attention, Lamar. C'est assez fragile. Sacrebleu. Il me faudra au moins une semaine pour le faire sortir de là. Sacrebleu. Ouais, un peu plus si on a du bol. Oh merde. Barney, vous n'aimez pas les animaux? Oui, c'est pas forcément qu'un animal, c'est un alien. Gordon, allez-y. Ross, enfilez. C'est pas dans la définition, mais bon. Elle est quand même belle, hein.
bois. Non, je peux sprinter. Gordon, votre combinaison CEH vous va encore comme un gant. Au moins pour les gants. J'y ai apporté quelques modifications, mais je m'en tiendrai à l'essentiel. Voyons voir. Le modèle 5 de la combinaison pour environnement hostile a été repensé en termes de confort et de fonctionnalité. Mon Dieu. Doc, on n'a pas le temps. Rechargez au moins la combi, Gordon. D'accord. Bonne idée. Il y a un chargeur sur le mur. Votre combinaison est rechargeable sur les réserves d'énergie du cartel, et elles sont nombreuses là où ils patrouillent. Oh. Pendant ce temps, on commence le boulot. Oh, et faut. Commence le boulot. Gordon, positionnez-vous près du panneau là-bas et attendez mes consignes. Ok. Isaac, tu es là? Oui, oui, Ellie, ça bloque un peu de ce côté. Vous ne devinerez jamais qui est arrivé dans notre labo ce matin. Ce n'est pas la personne à qui je pense. Effectivement. Et nous comptons vous l'envoyer sur le champ en compagnie de votre charmante fille. Tu es prêt, papa? On est tous prêts ici. Tous. Alors allons-y. Voyons, le flux du champ sans masse devrait s'autolimiter. J'ai bloqué les paramètres du collecteur sur base CY et Orbifold LG. Il perd un pic. Les conditions ne sauraient être meilleures. Vous l'avez déjà dit. Hé, hey, ouais, à propos de ce champ. C'est vraiment une petite blabla. 3, 2, 1. Ni. Oh, bon sang de bois, quoi encore? Excellent. C'est bon. Vous laissez Gordon enclencher le bouton. Ok. Gordon, droit devant. Allez, à la une, à la deux. Paf! Ça fait des chocs à pic! Séquence finale. Démarrage. Prêt? Oh, sans moi. Ok. Putain. Alix, les bruits d'Alix quand elle est téléportée, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, ça a marché? Voyez par vous-même. Hé, hey Doc! Oh, Dieu merci. Mon soulagement est presque palpable. Beau travail, Izzy. Laisse-moi oh, palper. Tout le mérite n'est pas pour moi. Le docteur Freeman m'a bien soulagé. Continuons. Aidons Gordon à passer. Exactement. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien joué, Gordon. Déjà enclenché le bouton? Ça sert d'avoir un diplôme d'ingénieur. Pff, de ma gueule, tout. Très bien, Barney. À votre tour. Vas-y. Cool, merci. Gordon, dès que vous êtes prêt, nous vous enverrons chez. Ah, c'est bon, je suis prêt, je pense. Pas trop tôt. Allez, vas-y. Viens voir la bête. Excellent. La bête qui a vu l'homme, qui a vu la bête. Initialisation dans 3, 2, 1. Barney, auriez-vous l'obligeance? Bonne chance, Gordon. Certainement. Right. Nous sommes prêts à vous propulser, Gordon. Bon voyage et bonne chance pour la suite. Ok. Séquence finale. Qui y a-t-il? C'est votre bestiole de suceur de tête! C'est votre bestiole de suceur de tête! J'ai dit non, Flo! Oula! Voilà! La mare est avec lui! Laissez tomber cette bestiole! Il traverse la mare! Qu'est-ce que vous avez fait? On dirait que vous êtes bien. Ah, y'a un marqué. Gordon, ne bougez pas, on va vous sortir de là! Quelque chose l'éloigne. Sortez-moi de là! Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hé, hey, le voilà! Je vais le sortir de là. Vous ne pouvez pas entrer dans le champ. Vous seriez désintégré. Vous seriez désintégré. Regarde, Gordon. Que se passe-t-il? Si je savais, il y a des interférences inattendues. Des interférences. Le voilà. Ah, on l'a encore perdu. Je suis presque certain que c'était... Gordon Freeman. Il n'est pas passé. Mais alors, où est-il? Où est-il? Derrière vous. Derrière vous. Éteignez-le. Gordon, vous devez sortir de là. Courez. Baissez-vous. Je vous retrouverai. Putain. Allez vite. Je cours. Dégage de là. Vous allez où? Vous allez là.
Et quand même, il y a de la tension aussi, mais je... franchement, je suis quoi. Et en vrai, c'est pas dégueu pour un jeu source, en vrai. Ouais, en fait, à part les vignes peintes sur la tôle. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Hey, Gordon ! Oui ? La citadelle est en alerte. Elle n'a jamais été aussi éclairée. Quittez Cité 17 le plus vite possible, Gordon. Prenez les canaux pour arriver au labo d'Eli. C'est dangereux, mais il y a un réseau de réfugiés et ils pourront peut-être vous aider. Ouais, ce serait cool. Je peux pas venir. Je dois m'occuper du Dr. Kleiner. Oh, et avant que j'oublie, vous aviez perdu ça à Black Mesa. Bah, c'est chouette. Allez, vas-y, file-moi ça. Bonne chance, mon pote. Signeur. Il vous en faudra. Signeur pour tout. Alors. Voilà. Allez, vite. Et viens, je dois. Non, c'est pas par là, merde. Au secours, au secours, au secours. Au secours à l'aide. Faut aller où ? Au secours à l'aide, à l'aide, à l'aide. Au secours, au secours, au secours. Putain, mais même en lisant, j'ai déjà fini plusieurs fois. Yeah ! Il y a toujours du stress et de l'action, quoi. C'est génial. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et ça charge, encore une fois. Beaucoup de chargement, finalement. C'est ça qui fait la spécificité. Pisse. Oh. C'est ça qui est spécial. Bref. Dire canal. Canal plus. Arrêtez! On a rien fait! Ils vont vous chercher maintenant. Sauvez-vous, y'a rien d'autre à faire. Ok. Sinon c'est pas satisfaisant. Oh, j'ai bientôt plus de munitions. Immédiatement. C'est quoi?
Alors. Dégage-le. Au revoir. Attention. Je suis vraiment trop doué, moi. Ok, alors. Ils sont où, les ennemis, hein? Que leur casse la gueule. Tout là-bas. Est-ce que je peux les avoir ici? Ils bougent trop là. Hop, t'es mort. C'est par là. Bien, pour toi Gaston, mais je sais pas quitter. Mais... Hop. Allez, allez Gordon. Gordon. Putain mais arrête de sauter sur ce putain de bateau. Bande de merde. Allez dégage. Au moins il n'y a plus personne. Non. Bien. Faut aller où? C'est où l'entrée? Elle est là. Je voulais foutre le G-Man mais on fait pas sneak. Oui? C'est pour vous les sirènes, hein? Oui. Vous avez de la chance. Vous êtes pas le premier arrivé. Voici le Freeman. L'heure de la vengeance a sonné. Putain mais c'est... On surveille juste la voie ferrée souterraine. La station centrale est juste là. Ils vous aideront. Mon ami Vortigant va vous recharger pour la route. Non mais c'est des gentils mais pourtant ils... Ils ont une voix. Ça devient sympa, mais t'as rien foutu. Faites attention. Il faut surtout pas se faire repérer. Si la PC vous chope ici, c'est mauvais pour toute la voie ferrée. Nous servons le même mystère. Un mystère. Sortez d'ici. Fais tranquille mon poteau. Un peu dangereux du coup. Un peu. Normalement il y a des bernacles. Hop. Par ici. Ah, rip, hein. Et c'est qui tire dessus là? Aïe 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 aïe. C'est mal ça. Et c'est... La protection civile descend dans les stations souterraines. On reçoit des réfugiés de la 9 et des alentours. On dirait que... Vous êtes mort. En présence de Rogolam, je répète, ils remplissent les sous-sols de Rogolam. Rassemblé, bloqué, fermé. Thank you.
Eh, il y a quand même beaucoup d'action. Hein. D'ailleurs, quand il y a beaucoup d'action, je vais booter, c'est ça qui est dingue. C'est fou. Ok. Ah. Alors. Par ici. Oui. M'appeler. Continuez. Cette station a été détruite, mais il y en a d'autres plus loin. Ah, putain, je t'ai pas vu. Je vais rester ici au cas où d'autres arriveraient. Il faut garder la voie ferrée. Bah écoute, toi, tout en chemise avec une jean et rien du tout comme arme. Bah oui, tu peux défendre totalement, mais. Je ne pas cher de ta peau, hein. Quelqu'un d'autre détecte un signal. Tu peux revenir, s'il vous plaît. Bon, il n'a pas envie de revenir, apparemment. Oui. Oh, putain, mais il se passe des choses. T'es mort et moi je m'en vais. Putain, qui me dérange. Putain, tu sais. Et vas-y, allez, les médicaux pleins. Ils sont tous morts. Alerte, unité de protection. Activité vérifiée dans cette communauté. Sol, rassemblé, bloqué. Ok alors. C'est pas du tout une bonne idée de garder ça. Aïe. Putain. Mais à l'aide. Ah. Au secours. Au secours. Canardé, c'est terrible. Mourir. Mais c'est terrible. Il est décédé. Putain, mais... Putain, ça fait trop mal. Ils sont tous crevés. Ah, putain, mais non. C'est terrible. J'ai glissé. C'est terrible. Voilà. Ça fait combien de minutes que je regarde? Oh, je vois 25 minutes. Voire plus. Enfin, donc, normalement. Mais putain, ah. C'est terrible. Hop. Hop. Ensuite. Il est où l'autre? Ce sont les deux derniers, enfin les trois derniers. C'est terrible.
hop, et le dernier. Donc on va monter là. On ne peut pas monter là. Merde. Tonneau par là. Le joli tonneau. Hop là. Injuste, je suis pas content. Ouais, des petits bâtards, moi j'en ai plus rien à foutre. Je m'en vais. Putain. Putain, il m'a surpris ce coup. Crise cardiaque. Aïe 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 aïe. Très mal. Il rage encore dehors là. Je pense que je vais arrêter le record, le record là. Ouais, c'est pas mal 30 minutes. Ouais, on va arrêter là, tiens. Bah salut, hein, j'espère que ça vous a plu. Ça aurait été ma première vidéo sur Half-Life 2, un jeu que j'adore. Et voilà. Salut!